une offre spéciale à la fosse de combat, les enfants. Présentez-vous et vous prendrez des coups dans la tronche tout de suite. Les jumelles sont bien occupées. Hé, toi ! Elles doivent être décevantes. Mais je vois à ta gueule que t'en veux à la Terre entière, si c'est pas à tout l'univers. Toi aussi, t'as un problème avec les jumelles, non ? À une époque, elles faisaient équipe avec moi, tu sais. Je suis un peu leur bras droit, à ma façon. Ce qui fait que parfois, on se rend des petits services, elle et moi. Ça va, ça vient, comme on dit. Mais cette fois, c'est à moi de leur renvoyer l'ascenseur. Et j'ai des petits soucis financiers. J'ai juste besoin d'un coup de main et... boum, plus de problème. Voilà le topo. Il y a des combattants dans cette arène. Et j'ai besoin de quelqu'un qui pourrait leur coller une bonne branlée. Mais d'abord, j'ai besoin d'être sûr que tu sais cogner. Et vraiment fracasser des dents, je veux dire. Tu vois le genre. Alors cogne sur cette machine. On va voir ce que tu vaux. Moi, je l'ai cassé en l'essayant. Montre-moi si tu peux faire aussi bien. Ok, ça marche. Ok, c'est parti. Ça va pas? Je croyais qu'on était amis. Wow! Génial! Ça, c'est une sacrée frappe! Hey, j'aimerais pas devoir t'affronter! Allez, on va mettre ça à profit. Planque tes armes. C'est interdit là où on va, tu penses bien. Et suis-moi, allez! À une époque, je combattais moi aussi. J'étais même plutôt doué. J'ai enchaîné pas mal de victoires. J'ai battu 17 gars à la suite, hein? 17 gars! Mais j'ai dû arrêter. J'étais trop fort. J'ai cogné le dernier gars tellement fort qu'il en a chié sa cervelle. Je déconne pas, ça lui est sorti du cul, hein, tu vois. Alors bon, ça m'a fait réfléchir. J'ai dû me remettre en question. J'avais un don, mais je pouvais pas le contrôler. Ok, on y est. T'as qu'à entrer, mon associé va s'occuper de toi. Souris. Et essaie de croiser aucun regard. Et quand t'auras fini, j'ouvrirai la porte et je te retrouverai à la planque d'armes. Va te les faire, champion. Toi? Ouais, c'est toi que je cherche. Je sais tout ce qui se passe ici. Le petit connard t'envoie, c'est ça? Eh ben, suis-moi. Première règle de la fosse de combat, c'est qu'il faut je parler à tout le monde. Je me retiens d'utiliser cette passe. C'est le mot. J'ai très envie d'éclater des dents. Faut viser en plein dans la gueule. Chaque fois, il voit jamais rien venir. J'ai bouffé du chien au tien. J'ai essayé de monter à courir à le naze est faible. Hé, t'as besoin d'un nom de scène pour pouvoir te battre. Pour qu'on sache contre qui parier. Moi, je dis sucette. Il a une tête de sucette. Et ça se voit tout de suite. Ok, t'as gagné. Va pour sucette. Rentre dans l'arène, sucette. Et voilà le nouveau sacrifice humain du petit connard. Sucette. Tu veux bouffer la sucette? T'es foutu, sucette. T'as envie de la Tu vas crever là-dedans. La ferme. Tu vas avoir un sacré choc. Appelez le temps, Asinil. Ça va être un vrai massacre. Bande de connards, bienvenue dans la meilleure fosse de combat de ce côté-ci des radiations. On va arrêter les conneries et saluer notre nouvel ami Sucette, pourvu qu'il tienne plus longtemps que le précédent. Thank you.
Fais sa gueule.
travail. Non, mais j'y crois pas. Psst, par ici. Tu te crois malin, c'est ça? Tu te prends pour un boss? Parce que c'est exactement ce que t'étais tout à l'heure. Tu te bats super bien. Je crois que t'es le genre de connard avec qui je pourrais bosser. De collaborateur, je veux dire. Pardon. Quand je pense à ce qu'on pourrait faire ensemble, des trucs fous. Vraiment. Ah ouais. Je sais que t'as des comptes à régler avec Mickey et Lou. Je peux t'aider à les approcher. Et après, tu feras ce que t'as à faire. Je vais trouver un truc. T'en fais pas, surtout. Tu peux compter sur moi. Faut que je réfléchisse un peu, et pour ça j'ai besoin d'espace. Alors laisse-moi tranquille. J'arriverai à rien si tu restes là dans mes pattes. Je te recontacte. Je pourrais vraiment faire quelque chose. Je plaisante pas, je pourrais... Thank you.
Il paraît qu'Ethan a pris la fuite. C'est pas bon du tout. Les jumelles vont encore moins se laisser faire. Tu t'en rends compte? Il se prend pour qui? Tu veux les jumelles, pas vrai? Tu veux t'approcher assez pour pouvoir compter leurs poils de nez? Eh ben, je sais comment tu peux faire. Normalement, j'aurais pu t'accompagner et te présenter directement aux jumelles. Mais là, on est un peu en froid en ce moment. Je leur ai dit qu'elles faisaient de la merde, elles l'ont mal pris, et voilà le bordel. Et on s'en fout. Ce qui compte, c'est que maintenant, les jumelles sont à fond sur Franck. Genre, c'est leur meilleur pote. Elles ont même fait de lui le putain de directeur de la prison. Tu crois ça? Elles savent que lui et moi, on s'apprécie pas. C'est tellement un con. Ce qui se passe, c'est que Lou m'aime bien, et qu'elle veut me rendre jaloux. Sinon, pourquoi elle parlerait à ce trou du cul? Alors la première partie du plan, c'est que tu dois tuer Franck. Et voilà comment on va faire. C'est le directeur de la prison, pas vrai? Alors je te fais entrer là-bas comme détenu, comme ça tu peux approcher Franck et l'exécuter tranquillement. Je veux que tu butes ce fils de chien. Je t'expliquerai la suite en route. Crois-moi, ce plan, il est nickel chrome. Plante ton matériel ici. Les prisonniers, ça a pas d'armes. Ensuite, grimpe dans le camion et je te conduis. Dieu con, ce Franck. Tiens, regarde un peu ça. Ça te va au teint, le orange. Et monte à l'arrière, on y va. Demande en quoi la mort de Franck te rapproche des jumelles, pas vrai? Le derby approche. Et le vainqueur sera invité à la putain de grosse soirée d'après, avec tous les cadors des ravageurs. Si tu gagnes, t'auras un accès direct à l'espace réservé des jumelles. Le problème, c'est que la liste des pilotes est pleine. Faut qu'on te libère une place sur la ligne de départ. Et devine quoi? Franck avait prévu d'y participer. Eh ouais. Vois un peu mon idée de génie? Tu nous butes Franck, et boum! D'un coup, il manque un pilote pour le derby. Et il se trouve que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui... Enfin bref, je veux faire en sorte que ce soit toi qui le remplace. Et d'abord,
pas mourir. Ouais, j'imagine que sans armes, tu pourras improviser pour trouver un moyen de tuer cette tête de gland. Je te laisse réfléchir à un plan. Qu'est-ce que tu veux, petit connard? Ouais, moi aussi, je suis content de te voir. J'amène un prisonnier, qu'est-ce que tu crois? Au moindre problème, par contre, c'est toi qui paies. Allez, vas-y. Va pas te faire remarquer, ok? Reste en vie. Franchement, comment est-ce que tu veux qu'ils te parlent si tu leur coupes la langue? Ça va, c'est pas comme si on manquait de langue. Je veux vraiment rien. Ces salopards ont donné un truc au lapin et je veux savoir ce que c'est. Je suis d'accord avec toi, mais ils risquent pas de te parler si tu poses pas plus de questions. Laisse-moi m'en occuper, bordel. Je sais ce que j'ai à faire, Mickey. Pardon de déranger. On est occupé. Je sais, mais quelqu'un veut vous parler, ça a l'air important. Important comment? Ça va vous intéresser. Ah, tu vois? Vitesse et contrôle. Bon, très bien, je vais aller voir ça. Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Sac à merde. Les grands méchants comme nous, ça a toujours besoin de bons vieux prisonniers pour taper les fusions. Oh merde, j'ai mal partout. J'espère qu'ils vont pas se rendre compte que je suis pas assez fort pour...
Je sais comment sortir d'ici. Je sais lequel d'entre eux possède la clé. Ils ont emporté mon surin dans la zone interdite. Je pourrais tenter de le reprendre et les tuer. Si seulement mes jambes arrêtaient de trembler. Si j'avais le courage. Seulement mes yeux brillaient dans le noir comme déjà. Comme la dernière fois. Encore ce bruit ? Fermez ta gueule, tu sais. J'ai pas pensé sur ce que tu dis. Clairement entendu. Thank you.
paquet, toi. Mais je veux pas me retrouver dans ce merdier. On se retrouve plus loin quand tu seras dehors. Et sa putain de fierté. Vraiment, crois-moi, il fallait à tout prix que Frank crève. Merci. J'arrive pas à croire que ce con pensait pouvoir participer au derby. Je pourrais piloter. Je pourrais participer. J'en sais plus sur les bagnoles que n'importe qui. J'en ai même construit une en partant juste d'un évier. Mais tu vas pouvoir prendre sa place dans le derby. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir t'approcher de Mickey et Lou. Tout ce que j'ai à faire, c'est de te trouver une bagnole à peu près potable et on sera bon. Bon, allez, je veux pas qu'on nous voit ensemble, alors grouille-toi de dégager. Mais t'en fais pas, je te recontacte bientôt.